c'est pas les recevoir, c'est de partager un moment avec eux et aussi de sortir de nos clichés sur les pays, sur les autres cultures. Haïti est dans la modernité, elle n'est pas que dans le folklore vu d'ici. Et la modernité, ces artistes la font vibrer. Il leur donne un espace dans le tableau qui fait comprendre, qui fait découvrir d'autres univers que le nôtre. Et donc cette force de rencontre et puis cette liberté, cette puissance assez radicale nous montre que ce pays a toujours défendu et s'est trouvé sa liberté. Ça n'a pas de prix. Et là, c'est dans une forme de création qui est pour la liberté, on crée. Et là, c'est un acte de liberté, mais aussi dans un registre qui nous est assez inhabituel parce qu'il n'y a pas cet expressionnisme aussi prometteur et qui n'a pas de prétention. Mais il crée lui-même son univers. Donc il faut rentrer dans l'univers et c'est un peu l'occasion dans ce lieu qui est le musée Montparnasse où on peut rentrer dans cet univers. Dans un musée classique ou dans une galerie, on verrait comme des artistes. Mais il y a plus que des artistes, il y a un univers. Jean-Sébastien, qui a attendu que ça bouge beaucoup chez lui, pour venir il y a un an et demi à Paris, il s'est retrouvé au Ricolet. Et puis notre ami qui était... Oui. Donc il parle mieux que moi sur cette aventure. Mais c'est aussi pour saluer au nom de chacun d'entre nous et tout le monde, la culture haïtienne qui implicitement nous donne des rendez-vous insolites et qui, grâce, je dirais, à Jean-Marie Drault, qui le premier nous a interpellés car il a fait un voyage en 76 avec Malraux en Haïti. Il a filmé ce voyage, il s'est entretenu avec des artistes et son dernier voyage de sa vie, et il parlait de Raphaël et de musée imaginaire. Haïti, ça a été son escale qui l'a beaucoup marqué. Grâce à Jean-Marie Drault, cette escale, on l'a revisitée, on l'a construite ici. Et ensuite, les événements haïtiens sont arrivés après, et puis, par le compagnonnage de société à société, ces lieux sont comme une plateforme ponctuelle pour les rendez-vous avec Haïti et merci d'être là et à l'ambassadeur d'Haïti qui doit être là discrètement. Et voici, voilà, Antoinette. Et... Bon, j'étais très long mais je peux raccourcir et je m'arrête là. Voilà. Et je salue un conseiller culturel qui est étonnamment, avec le monde chinois, il était le plus grand conseiller culturel. Et ensuite, il est revenu au ministère de la Santé et c'est lui qui a géré toute la coopération santé avec Haïti. Voilà. C'est donc ici, c'est un lieu de parcours un peu insolite. Voilà. Je voulais m'arrêter, mais j'ai fait une phrase de plus. Bon, alors, partage ce qu'il y a dans la table. Voilà. Ce que je souhaite dire, c'est... ce qui m'a impressionné, c'est la diaspora haïtienne que je retrouve dans différents continents et qui trouve sa liberté en ayant plusieurs attaches. L'attache à Haïti reste toujours très forte, mais ce n'est pas dans la nostalgie. C'est dans un lien qui est plus dans l'esprit que dans la pensée. L'esprit est plus fort, c'est-à-dire que l'esprit, ce que ça a donné à ces enfants d'Haïti. Et lorsqu'ils sont ailleurs, ils n'ont pas la nostalgie, mais ils ont une présence dans leur tête. Et ça, ils le font partager sans complexe et en même temps sans prétention. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut ne pas être haïtien, on peut ne jamais être à l'Haïti, mais tout d'un coup, on partage un moment avec eux sur ce terrain-là que nous découvrons à l'instant présent. De faire que les gens se rencontrent alors qu'ils n'ont pas l'occasion de se parler et que les Haïtiens rencontrent des Russes et que des Méditerranéens rencontrent... C'est un lieu qui permet des échanges, comme on le fait dans les cafés à une certaine époque, sans idée préconçue de l'autre. Et le hasard que crée cet événement et fait une promotion, un, de découvrir ce lieu, mais aussi de voir que ce lieu a une fonction d'échange, de rencontre et de projet. Non ? L'ambassade d'Haïti
essaie de contribuer à donner une nouvelle image d'Haïti. Et compte tenu de cet objectif, nous essayons d'organiser des expositions de peinture, de célébrer les fêtes mémorielles. Tout ça contribue à une démarche consistant à dire que Haïti, ce n'est pas seulement la pauvreté, mais il y a d'autres choses. Comme vous le savez, nous avons eu une belle histoire, nous avons une belle culture, nous avons de très beaux monuments historiques. L'ambassade d'Haïti essaie d'organiser des festivités autour de ces lieux. Alors, l'exposition d'aujourd'hui rentre dans ce cadre-là. Okay, j'ai commencé à peindre, j'avais à peu près 16-17 ans. Et j'ai très rapidement commencé à faire les installations juste après. J'ai fait l'installation de ma chambre. Après ça, je suis parti aller étudier. Je suis allé au Canada, précisément à Montréal, où est-ce que j'ai commencé une pratique en peinture et j'ai étudié d'autres choses aussi. J'ai fait un bac en art visuel et médiatique que j'ai fini à peu près 2 ans. Alors maintenant, je voyage et j'expose. Là, je suis au Montparnasse ce soir avec vous pour le vernissage. Je serai là jusqu'au 13 janvier, si je ne me trompe pas. Alors, j'espère que vous viendrez faire un tour. Alors, comment vous sentez l'accueil du public qui vient admirer vos chefs-d'œuvre? L'accueil du public, c'est une bonne question. Figurez-vous que je viens tout juste d'arriver. Alors, j'ai aucune idée comment les gens vont recevoir l'exposition. Je viens tout juste d'arriver. Je n'ai même pas 5 minutes. Je ne sais même pas qui est là encore. Alors, je suis là en train de... Je l'ai réalisé. En fait, la série de tableaux que j'ai en haut, en arrière, c'était une série assez... Ben, elle n'est pas vieille, mais je dirais début 2011. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma pratique, j'ai décidé de m'intéresser davantage à l'espace. Et par rapport à ça, ben, j'ai d'autres œuvres qui sont beaucoup plus grandes où il y a une disposition plus élaborée de l'espace. Ceux-là, ce sont des œuvres qui sont beaucoup plus frontales. Il n'y a pas nécessairement une élaboration élaborée de l'espace. Ça, c'est des œuvres moins récentes. On voit qu'il n'y a pas de zone initiale. Oui, j'ai signé en arrière. Je préfère signer en arrière parce que j'aime pas encombrer le tableau. Pour moi, la composition est très importante et je veux rien mettre devant, à côté ou quoi que ce soit qui pourrait nuire à la composition que j'essaie de réaliser. Au fait, ce tableau-là, je l'ai fait il y a très longtemps. C'est difficile d'élaborer exactement ce que je voulais dire. D'ailleurs, je pense pas que je peux parler d'une œuvre en disant de ce que je veux dire dans l'œuvre. Je pense que l'œuvre d'un artiste, ça se passe dans le corpus de son œuvre. Alors, dans mon œuvre, moi, j'ai des préoccupations, oui, en fait, ça dépend. Hein. Moi, j'utilise beaucoup le hasard comme outil de création. Alors, bon, tu sais, des fois, je mélange directement sur la toile à la Van Gogh ou, tu sais, en fait, je travaille vraiment intuitivement et ça prend du temps d'aboutir à un résultat que j'aime. Alors, là, je pense que je suis assez satisfait de cette exposition et des œuvres qui m'entourent présentement. Et par rapport à la préoccupation que je disais tout à l'heure, en fait, ce qui me préoccupe, c'est l'incompréhension qui existe dans l'existence humaine. Tu vois, ça se rapproche de préoccupations beaucoup plus existentielles. Là, je parle de choses plus personnelles qu'on peut percevoir dans mon travail. Parce que c'est très dur, je pense, pour un artiste d'élaborer sur son travail. Je peux dire ce serait quoi mes préoccupations. Et principalement, mes préoccupations, c'est l'incohérence qui accompagne l'existence, notre propre existence. Alors c'est dans cette optique-là que je fais mon travail. Mais parce que c'est une question d'affinité. J'ai travaillé sur des petits formats, j'ai pas aimé, j'ai des dessins de petits formats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus grands formats. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'élaborais de plus en plus sur l'espace et j'ai laissé ces formats-là. J'ai des plus grands formats à votre droite.
Alors, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. Je vais probablement revenir sur les plus petits formats, mais ça, c'est à voir. Hein. On va voir en temps et lieu. Ah, ça dépend. Hein. Il y a des tableaux que ça se passe vraiment très vite. Il y en a d'autres qui, en une heure, deux heures, ça peut être fini. Il y a d'autres œuvres qui peuvent aussi prendre plus de temps, les grands formats. En fait, c'est vraiment une question de ça va avec le feeling. Hein. C'est un métier très libre. Alors, on essaie de représenter ce qui nous tient à cœur. Et dans cette représentation-là, ça peut se faire d'une manière très spontanée, comme ça peut s'allonger dans le temps. Pour le moment, j'ai un accueil intéressant. J'ai la chance de travailler avec une très bonne galerie, qui est la galerie Agoué. Je suis avec eux ce soir. Ils sont très réceptifs. Je suis très content de la manière qu'ils accueillent mon travail. Et je pense que je suis au début d'une grande aventure. Alors, on va voir ce que ça va donner à long terme. Déjà, ouais. Par contre, mais ça prend du temps. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches que je fais aussi. Moi, personnellement, je ne comprends pas tout. Et c'est comme si... Et l'histoire que... Moi, j'ai toujours des histoires derrière mon boulot aussi. C'est comme si c'est les gens qui veulent transformer l'argent en or. Oui. Ouais. C'est comme si qu'ils laissent, qu'ils prennent de l'argent, qui fait des gestes, qui cannibalisent pour avoir des... souvent, dans mon boulot, et Haïti radical et contemporain, ça me fera du bien le titre de l'expo. Ouais, parce que on est deux jeunes et puis on a vu dans quelle situation que Haïti plonge en ce moment. Il faut pas de temps en temps parler contre Haïti envers des comportements des gens qui fait ci, qui fait ça, mais il faut parler de bonnes choses aussi envers Haïti. Par contre, ça c'est mon but aussi, et de montrer avec des galeries, d'autres instances. Par contre, mon recherche ici personnellement, je suis venu pour ça. C'est pas de temps en temps monter un avion, présenter un projet, retourner en Haïti là. Je commence à avoir des galeries pour montrer Haïti sur le marché. Oui. Mais bon, comme on est déjà né dans une culture, disons 100% haïtienne, souvent il y a des gens qui exprime que c'est du vaudou que je peignais, mais au fond, quand je racontais les histoires et tout, quand je commence à raconter des histoires, c'est comme il y a une littérature dedans, avec tous les traits. Ouais. Et c'est une façon d'écrire, de parler et tout. Il y a toujours une sourire cachée, même quand c'est parce que c'est fort. C'est fort, mais il y a toujours une sourire cachée derrière mes œuvres. Parce que ce qui m'aide à produire, c'est des gestes que je fais dans mon atelier. C'est des histoires que je récupère autour. Tel que on est là dans le vernissage. Je dis, bon, là, avec 5 personnes qui sont venues ici, je vais juste compléter pour faire une œuvre demain matin. Ouais, mais je n'ai pas besoin de personne. J'ai pas besoin de la présence de 5 personnes à mon tour. Là, je vais juste... Je disais, bon, je vais prendre l'exemple, votre exemple et tout. Et puis là, je vais commenter tout seul dans mon atelier. Je disais, bon, si c'était moi, j'ai mis ça là. Si c'était vous, j'ai mis ça là. J'arrive à compléter tout seul mes œuvres. C'est pas que les animaux, c'est une transformation de dire ce qui est caché souvent à l'intérieur de l'homme. Parce que tu as toujours un espace chimérique chez l'homme. Oui. Ouais. C'est bien le thème. Ouais. Tu as toujours ça. On ne peut pas dire de quel animal il s'agit quand on voit ça. Ouais. On ne peut pas dire de quel animal ou bien quel animal. Mais on voit qu'il y a des formes, des arbres. Il y a... Ouais, là, c'est juste une scène de sexe et tout. Et souvent chez les femmes, mais qui partagent un sexe à deux avec un homme, ça existe. Et c'est pourquoi pas de mettre ça sur un tableau, de l'écriver et tout. Eh bien, oui. Et de toute façon, on a toujours des gens qui vivaient dans la misère. C'est comme si
les gens disent la fin du monde, les gens qui n'ont plus rien prient pour la fin du monde arrive. Ouais, comme ça. À peu près, j'habite à Kinskoff avant, mais là c'est fermé ma maison parce qu'il y a drôle de persécution aussi. Non, pas dans la région des artistes, c'est plutôt un peu à la hauteur de Pétionville, mais il y a beaucoup de jalousie envers ma petite progression de déplacer de temps en temps. Mais oui, j'ai connu Tiga, j'ai passé un mois dans l'atelier Saint-Soleil à Choisson. Et puis, mais comme c'était pas... j'aime bien voyager dans mon style. Je n'aime pas placer les couleurs comme ça. Ouais, ouais. Et de toute façon, je suis un passeur. Un vrai art fort, sans noir, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Je t'avais expliqué ce tableau, c'est entre les gens qui transforment l'argent en or ou or en argent, ok, ouais, qui veulent bon écouler tout le monde pour avoir. Également, c'est Sébastien Jean. Voilà. Et voilà. Elle est artiste photographe. Et alors, attends, elle a fait récemment à Paris une exposition sur Haïti. Et elle avait. Écoute, elle va te parler. Posez-lui la question que vous m'avez posée. Oui, je lui disais. C'est... Oui, ben allez-y, faites. Revenez me voir. Je vous en prie. Tel que, il y a ce tableau-là, il y a celle-là, c'est lors du décès de ma mère, après le décès de ma mère, une semaine après. Parce que j'étais fermé en résidence en Guadeloupe, à l'Autocap. Et puis, j'ai perdu ma mère. Et puis, en plus, j'étais exactement sur cette toile-là. Et puis, je disais que je vais juste servir avec la mort de ma mère comme une espèce de transgression, de frustration pour élargir tout. Les autres chemins. On voit, c'est vrai, un grand avec un petit, on ne sait pas tout. Moi, je peux dire, c'est comme une sculpture sur la toile. Oui. Ouais, c'est comme une sculpture sur la toile. En ajoutant des. C'est comme c'est des petites choses miniatures que j'arrive à ajouter après l'idée. Et si j'étais moi, au fond, je t'ai mis, si j'étais Dieu. Oui. Voici la façon que je pensais créer le sexe de la femme avec trois étages. D'accord. Et c'est assez heureux, d'accord, c'est ce que vous voulez faire. Et avec un oiseau qui pique devant, et là c'est juste une thème. D'accord. Mais oui, c'est ce qu'on voit, c'est un peu. Vous l'avez mis en rouge. Oui, et bon, en plus, il y a des moments, je peux dire des choses très scandaleuses. Et ici, ça c'est sur les homos. Parce que signifie, voilà, on voit. C'est une idée sur les homosexuels, souvent qui masturbent beaucoup. Oui. Et puis à la fois qui jouit tout seul, qui ont une liberté et tout. D'accord. J'arrive à le faire ici. Mais justement, comme ce tableau vous parle de l'homosexualité, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il y a maintenant? Il y a une loi maintenant qu'en France, le mariage pour tous. Vous pensez que les gens de même sexe devraient se marier entre eux? Mais bon, de toute façon, je trouve longtemps c'est un petit peu fermé. Sur le mode maintenant, c'est ouvert. Et je trouve que c'est juste une vie. C'est juste une vie. Ouais, chacun a son choix aussi. Ouais, mais, par contre, cette scène-là m'inspire beaucoup parce qu'il y a toujours des histoires entre eux, dans des spectacles, parce que je ne sais pas que faire de là comme ça. J'ai fait décor, je travaille au niveau de la décoration, maquillage et tout. J'ai l'habitude de voir ça sur Haïti. Je travaille avec Michel Châtel, Jean-René Delsoin et tout. Dans des spectacles, j'ai vu, il y a une vibration et il y a beaucoup d'idées entre eux. Et vous avez mis combien de temps à peu près pour réaliser un chef-d'œuvre comme ça? Disons ici ça prend du temps parce que c'est pas en Haïti. Bon, il y
y a l'espace, tu tournes comme un foufou, mais ici, il n'y a pas de recul comme il faut. Parce que dans un studio, il faut faire attention pour ne pas salir et tout. Une semaine. Mais je trouve que ici, c'est une terre forte et puissante, parce que là, c'est la culture des Parisiens, disons l'Europe en général. Haïti, c'est notre culture. Ouais, on peut partager et tout entre les deux pays. Et ça donne racine aussi avec un peintre de la Caraïbe ici sur l'Europe. Ouais. Et puis après, tu pourras choisir comme tu veux. En plus, c'est un pays de droit. Et puis en plus, quand tu es artiste, je trouve que tu as un respect énorme. D'accord. Ouais. Il faut que tu sois très pointeux et sérieux et tout. Mais il y a un accueil très spécial pour un artiste ou un écrivain et tout. D'accord. Souhaiteriez-vous dire quelque chose, c'est vrai, par rapport à ceux qui vous ont permis de réaliser cette... Mais toujours avec toute l'équipe de l'ambassade d'Haïti à Paris, et qui travaille de concert avec Haïti, sur place avec le gouvernement. Je vous remercie tous. Et je vous remercie l'ambassade d'Haïti, l'Institut français et tout, qui me supporte, la Galerie Agoué, avec toute l'équipe de la Galerie Agoué. En cette fin d'année, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Haïtiens, à tout le monde entier qui vous verra à travers cette télévision? Aux Haïtiens, je ne sais pas quoi dire, parce que on est né, ok? C'est seulement Christ ou seulement Dieu qui peuvent nous faire bouger les choses. Ce n'est pas l'homme exactement. Et quand on est en Haïti, quand je suis en Haïti, je dors un peu à caisse sautée, ok? Et puis, pour le monde en général, il faut qu'on s'arrange de toute façon pour faire avancer les choses. Il ne faut pas mépriser les gens de la Caraïbe, parce que je trouve qu'il y a toujours une barrière envers les Haïtiens. Ouais, il ne faut pas penser ça. À chaque fois un Haïtien arrive dans un terrain étranger, c'est comme si les gens voyagent dans un boat people. Il faut que les gens ne pensent pas à ça. Ouais, parce que souvent j'avais entendu des choses comme ça. Et ce n'est pas bien pour les Haïtiens. C'est comme si c'est une seule nation qui est le plus drôle au monde, et puis ce n'est pas vrai. Ouais. On est tous comme des gens ou des êtres que l'âme du ciel ou Dieu du ciel crée sur la terre pour vivre comme tout le monde. Ouais. Et puis, je te souhaite avec tous le monde, bonne fin d'année. Hein? On attend les histoires toutatis.com.